Eh bien, salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un 15e let's play de Far Cry 5. Alors, on a buté John, maintenant on va aller faire chier Face et c'est parti! Et ça, c'est quoi? Les rumeurs évoquent un endroit appelé le Calvaire où les membres de la résistance seraient torturés et tués. Vous devez éliminer ceux qui dirigent ce lieu et fermer celui-ci une bonne fois pour toutes. On fait ça. On va faire ça. Voilà. Sur la carte, je me mets le petit point là. Et après on ira faire notre mission qui est là-haut. Ouais c'est ça, on va avancer, on défend en libérant les camps et on finira par cette mission. Let's go, petit déplacement rapide ici, ça vaut le coup ou... bah, déjà on va se faire celui-là. Ouais on va faire ça, petit déplacement rapide ici, let's go. Skate voulait nous exterminer, mais tu nous as sauvés. Allez, on est parti, libérons l'avant-poste. Et qui va m'accompagner pour faire cette petite mission, tiens? La chasseuse et la snipeuse, comme d'hab, ou je change un peu? On va voir. S'il faut faire du bourrin, je prendrai Sharky et Urk. On dirait presque le nom d'une série. Après Starsky et Hutch, Sharky et Urk. Bon, on prendra les deux, tiens, voilà. D'ailleurs, je vais les prendre tout de suite, ces deux tarés. On va les appeler. Let's go. Voilà. Je viens vers toi tout de suite. Je suis là, chef. Hop, 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 hop. T'as la failli nous rouler dessus, lui. Ça va pas les tarés. Quoi de neuf ? Sharky, bienvenue dans la Dream Team. Allez, on est parti. Je veux attaquer ce putain de camp. Libérons la région. Encore et toujours. Prendre ça. Tranquille, tranquille la musique là, s'il vous plaît. Hein? Génial, tu mets la musique. Ah, y'a que deux places, merde. Bon, Herc, tu nous retrouves là-bas. Hein. Ça te fera perdre un peu du cul. Let's go. On y est, on y est. Ça fait super longtemps que les cinglés sont là. On me demande bien ce qu'ils font. Ça roule. Un ennemi de ciblé pour l'instant. Doit bien y en avoir d'autres. Ah, là-haut, petite alarme. Alors déjà, ta petite alarme de merde, là, tu vas y dire au revoir. Hein. Non, ça marche pas. Non. Bon, d'accord. Là aussi, c'est une alarme. Pas l'air d'y avoir grand monde là-dedans, hein. Sac à récupérer, tyrolienne. Elle est pétarde. Ok, ça c'est fait. Ensuite c'est là, d'accord. C'est pour ça que j'arrivais pas à la péter. Déjà, vous allez pas pouvoir appeler de secours les mecs. On est repérés? Ben ils sont où? Ça c'est fait. Il est où lui? Il y a un mec par là, là. Plus haut. C'est du sniper, c'est quoi? Ouais.
Allez les gars. Encore du monde qui est pas jouasse. C'est la merde cette arme. Voilà, ta gueule. Et les potes, ils sont où là? Entendu. Allez, vas-y. Putain, on est derrière moi. Allez, bim, à l'appel. On est parti. Bernie Noël. Alors, ils sont où tous ces cons? Non, mais l'autre idée. Allez, pour chercher le. Les cinglés dans la place! Et regardez, là-bas! Vous voulez faites à un moment où. Eh bien, Sharky, fou. C'est de la merde, hein, cette arme. Je vais vite changer. Dès qu'il y a une boutique. C'est tout? Bah ok, ça c'est fait. Je la voyais beaucoup plus dure quand même, la base. Mais c'est pas plus mal. Un camp de plus repris à ces salopards. Et puis je vais me retirer cette arme de merde là, dire que j'ai acheté ça, putain. C'est de la merde. Voilà, y a pas d'autre mot, hein. Appelons un chat, une chatte et de la merde, la merde. Ma foi, un tas de merde. Mais cet engrais leur servait à fabriquer toutes sortes d'explosifs. On pourra peut-être en faire bon usage. Merci pour tous tes efforts, officier. Mais juste une dernière chose. Est-ce que tu pourrais t'aérer un peu avant de revenir à l'église? Ce serait gentil à toi. Tu dis quoi là, que je pue? Ouais, je veux bien te croire, mec. Je veux bien te croire. On pouvait monter par là, ok. Quand on peut monter. Ouais, petite échelle. Je sais qu'il y a un sac là-haut, je l'ai vu, je l'ai pas rêvé. Encore au-dessus? Eh ben, let's go! C'est une bonne base, c'est une bonne base. Oh oh! Ouais, jackpot, eh! Bah, ouais, allez, hein. Tant qu'à faire, autant le prendre avec un viseur. Hein. Non. Voilà. Hop là. Oh, mais si c'est bon tout ça! Allez, là on crochette. Pognon, t'as 40 lingots d'argent. Oh putain, si c'est bon ça. Il y a une boutique en dessous là. Y'a pas une tyrolienne pour descendre? Si. Ne me demandez pas ce que je viens de faire. Je n'en ai strictement aucune idée. Putain de merde. Apparemment, là, tu as une cage de survivaliste. Allez, donne l'info, toi. C'est grâce à toi si on est encore là. Ouais, je sais. On m'a dit que les tarés traînaient du côté de chez les Warins et qui. C'est quoi ce bordel? Bah, ça va, je rigole, oh. On m'a dit que les tarés traînaient du côté de chez les Warins et qu'ils essayaient de s'introduire dans la maison hantée. Et qu'une seule raison qui pourrait les pousser à faire ça, le matos. Allons-y avant eux. Une maison hantée? Oh, ça me plaît. Mais je voulais pas faire ça. Qu'est-ce que tu me fais chier là? Ah, je suis obligé de l'embarquer avec moi en fait. Bon bah tant pis. Allez. Là il y a de la mission, de la boutique. Une map à récupérer. Gagné. Là on prend le pognon. Je démissionne, ok? Depuis que vous avez racheté cet endroit, rien ne va. Vous mettez de la merde dans l'engrais. Enfin, de la merde. Ok, ok. Ce jeu est génial. Ouais, il y a une arcade par là. Alors oui, tiens.
je vous ai promis, dans le 15e épisode, de voir du Far Cry Arcade. Et ben j'ai fait autre chose en fait, j'ai fait une vidéo de Gaming Fun, gameplay découverte de Far Cry Arcade, qui se trouve dans ma playlist Gaming Fun. Donc je vous invite à aller y jeter un œil, et je ferai aussi une vidéo pour créer des niveaux, voilà. Donc allez faire un tour dans ma playlist Gaming Fun. Merci d'avoir repris cet endroit à la secte. Alors, on va vite se retirer la merde qu'on a là dans les armes. Franchement, avec les stats qu'elle avait, je pensais qu'elle faisait beaucoup plus mal cette connerie. Eh ben non. Ça là, sans déconner, j'ai acheté ça là, putain. C'est une vraie merde. Hein. Là, tout de suite, ça donne plus envie. Hein. On pourrait en plus. Mais non, le prochain gros craquage niveau pognon, ce sera une tenue. Donc là, je vais prendre mon petit pompe. Hein. Ce sera toujours mieux que ce dope là. Bim. Voilà. Là, on est paré. Ok. Bon alors, prochain camp à libérer, il est où? On est là. On va devoir aller par là. Il est là. Il est là, le petit camp, là. On va aller le libérer. Et ensuite, on va traverser à la prison de Hobb County. Non. Non, non, je dis de la merde. Après, on va libérer celui-là. Et ensuite, on va aller faire notre mission principale. Objectif de let's play. Voilà. Et ça devrait bien faire chier Faceid, là. C'est parti. Allez, les mecs, grimpez. J'ai jamais mis de ceinture, je vais pas commencer maintenant. T'as intérêt de sortir les toits au prochain combat, sinon l'officier va te renvoyer. Allez, on est parti. Me renvoyer, moi? Eh, un peu de respect pour tes aînés, Sharky, putain. J'ai vachement plus d'expérience que toi, et je défonce bien plus de têtes. C'est pas parce pourquoi ils rament comme ça, ce con? Ils ont tué une vache. En attachant de la dynamite à les enfoirés. Que ça fait de toi un putain d'expert en tout. Fais gaffe à ce que tu dis. J'ai l'impression qu'on se rapproche, ça doit être par là le camp. Ouais, ici déjà apparemment c'est un désert. C'est désertique là. J'y crois pas trop mais... Donc apparemment par là il y a un trésor. Et une carte, c'est pas pareil. Si vous lisez ça et que vous appartenez à la secte, je vous ai bien en vue. Si vous êtes de la résistance, montez me voir dans le silo à céréales, j'ai de quoi vous aider à combattre la secte, mais faites attention en grimpant, j'ai plein de petits potes qui veulent pas qu'on les dérange. Quoi, faut qu'on grimpe à ton silo là-haut là ? Ok, donc il va falloir que j'escalade ça. Et ben alors, Gary ? Je me demande c'est qui tes petits potes là ? Qui veulent plus. On est à l'intérieur de la zone de recherche. Ok. Donc là je dirais non, non. Je dirais qu'il faut qu'on grimpe là. Hop hop hop, ça glisse bordel. Oh putain. C'était pas par là. C'est moi j'entends des abeilles. Doit bien y avoir un passage, quelque chose. Ah, je suis curieux, je ziote. Petit medikit. Rien de spécial par ici. Attention, je vois des gens. Excuse-moi, Gary. Voilà, Gary. Ça s'ouvre, ça, normalement, non? Oh putain, il y en a un autre. Allez, bim, dégage. Au moins, mon gars, au moins du niveau des troupes d'élite. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule de ouf? On se l'est débloqué du coup? Oh, ça c'est bon ça? J'allais finir en fantôme! Ah, la porte elle est juste là. Oh, ben d'accord. T'en veux du sgégou toi?
Eh ben c'est moi. Alors apparemment, il a dit qu'il avait des potes pas commodes. Ok. Ok, c'est ça les potes pas commodes, d'accord. Eh ben on va éviter de les toucher. Putain. Au moins on a un petit coffre là, mais merde. Va bien falloir y aller. Ah oui, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Ouais. Bon, qu'est-ce que je fais? J'éclate les abeilles. Pas trop le choix. Hein. Est-ce que je peux les exploser de là? Non. On se cache bien, on se cache bien. On chasse les abeilles. Allez, allez, dégage, dégage, Maya. Putain. Ok, je suis en train de faire la merde. Ah putain, ça m'étonne pas que tu m'aies touché le paquet. Est-ce que j'ai le plus gros? Merde, il est mort, mon pote. Sharky est mort. C'est bon, les connasses, là, c'est fini. Bon, bah on appellera quelqu'un d'autre. Hein. Sharky s'est fait zinguer par les abeilles ou... autre chose. Allez, on a pris le pognon, on est toujours dans la zone de recherche. On est tombé de là-haut, on va y retourner. Hein. Attends, 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 fouille bien, Gary. Il y a des caisses de partout. D'accord. Par là, c'est bon aussi. Mm-hmm. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse continuer de grimper. Toujours dans la zone de recherche, mais du coup, après, c'est par où, putain? Hop, 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 les abeilles, on les laisse tranquilles. Je suis loupé quelque chose en bas. Attendez, attendez. Ouh putain. Eh, franchement sympa l'endroit, hein. Bien foutu en tout cas. Et du matos, il y en aura une chier. C'est quoi cet endroit, putain? Attendez. Là, je suis monté là, par là-bas, il n'y a rien de planqué. Non. Pas par là, en tout cas. Ouhou! Eh ben voilà. On a réussi ça. On a trouvé ta putain de cache. Oh, les points de compétence, c'est bon ça. Oh, le pognon, c'est bon ça. Encore du pognon, mais c'est trop bon. Voilà, ça c'est fait. Eh ben, nickel. 3 points de talent reçus, et puis on va se casser là, hein. On va continuer à attaquer l'autre camp comme prévu. Ah mais en fait les deux sont morts. Ok d'accord. Bon. Et ben si les deux ils sont morts, qu'est-ce que je fais moi? J'attaque qui? Ou j'appelle qui plutôt? Allez, grimpe. On a un camp à se faire. Surveille la route, je m'occupe du reste. Allez, on est parti. Je suis sûr que tout ce merdier c'est pire. C'est vrai. Là, c'est pas des étrangers, c'est nos voisins. Qu'est-ce qui rappe les véhicules? Impression d'avoir le frein en main, de foutu sans déconner. Je suis à fond sur l'accélérateur. Allez, le camp il est juste là-bas. Allez, dégage.
Faites-vous le mitrailler sans déconner. C'est quoi cette vache immense là? Mitrailler sans déconner. Allez le loup, bute-les, bute-les. Faites-vous les bordel. Ok. Allez, fais-le toi, il est là-haut. Bute-le, putain. C'est bon, lui il est mort. C'est bon, là, on est parti, t'es contente? Des renforts arrivent côté ouest! Côté ouest, il a dit. Côté ouest, c'est par là? Non, j'en sais rien. Ils ont l'air d'être par là. Hein. Moins que ce soit un hélico, là. Mais non, il est là. Putain! Allez, ça c'est fait. Faut jamais tu crèves toi là, sans déconner, t'as vu à quoi je te tire dessus. Eh, tiens. Ça c'est fait. Putain, mais ils sont où? Voilà, ça c'est fait, bordel de merde. Vous avez cru quoi? Eh ben nickel. Bon alors. Une petite map à récupérer, quelque chose. On est en train de bien l'emmerder, l'autre, là. Entre nous, je pensais pas qu'on irait aussi loin. J'ai dû dire que t'étais dans la bataille. Mais tu te bats directement chez Faith. Et elle sait qu'elle va perdre. Alors continue comme ça. Et oublie pas ce travail avec les illuminés. Si jamais tu croises un marshal qui combat par là, surtout tu l'attrapes. Faut qu'on sorte de cette saloperie. Ouais, c'est terminé. Donc là il parlait du Marshall qui nous accompagnait hein, en début de jeu, puis qui voulait pas écouter quand il disait qu'il fallait pas venir chercher la merde ici hein. Puis bon maintenant il va falloir sauver son petit cul de Marshall là. Vos missions une autre fois vous. Allez. On est reparti. Notre Jeep elle est où? La boutique là je m'en fous un peu. Ma pelle non, par contre je la kiffe ma pelle, elle est trop bonne cette pelle. Rien à récupérer là dans le coin. Bizarre. Bon ça va. Ça s'éclate normalement mais bon. Alors, le prochain camp à libérer avant de se faire la mission principale, c'est où? Et ma Jeep, elle est où? On est d'accord, j'avais une Jeep. On n'a plus de Jeep. Ok, bon ben bah, ça c'est fait. Allez, où est-ce qu'on va? Et on a un camp de vacances à se faire. Et il est où? Il est là-bas. Let's go. C'est con qu'il n'y ait pas de véhicule. Non. Pourquoi je suis drogué là? Va te faire foutre. C'est ma histoire connasse de facit ça. Je veux pas me taper d'alu là. J'ai des missions à faire. On a un programme. Viens pas faire chier, connasse là. Déjà tu t'appelles Fesse. Sans déconner. Est-ce que moi je m'appelle Q? Et il y a du monde par là. Ça a pas l'air d'être des copains. Ah, ils ont buté les gens. Pas encore, peut-être. Eh ben, on va s'en occuper maintenant. Ils vont rien comprendre à ce qui leur arrive. Ils vont rien comprendre. Change de place. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là, toi?
Tiens, dégage. Merde. Oh putain, lui là. Et on va leur piquer leur pick-up pour aller libérer notre camp. Merci infiniment. Ouais, de rien, grande. Ouais, va pas être contente, Face. Hein. Elle va se cirer les faces. Face. Nyaaah, la blague de merde. C'est quoi ça? Faut y foutre le feu? Moi, je veux bien. Hein. Ça devrait suffire, non? Non, ça suffit pas, ça? Ok, bon, bah si ça suffit pas, on va y aller un peu plus violent. Hein? Viens par là, Jess. Compris. Et puis toi aussi. Après toi. Non. Je compte sur toi. T'as le temps de discuter? Oh merde, c'est de proximité. Voilà, ça c'est fait. Allez, véhicule de ravitaillement détruit. Allez, tout le monde. On y retourne. Je bouge. Dépêche-toi. On sait. Merci d'avoir frappé les convois de grâce. Les hommes de Face utilisent. Allez, ils sont à 500 mètres. Transporter cette substance partout dans Hope County. Ragari, on est sérieux. Ils auront bien mérité leur sort, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, brigade des stupes, mission principale, et toi va apprendre à conduire, connard. Allez. Voilà, là ça a pété aussi, putain, mais décidément. Ta gueule. Ensuite. Les filles. Ça va? Et toi, ça va? Bon, bah, au moins, ça c'est fait, quoi. Hein, merde. On peut pas te fouiller, toi, non? On est à 300 mètres. Oh putain. Eh ben voilà, puis comme ça on va prendre ton véhicule, connard, hein, et ça a l'air un peu plus vif que cette merde de 4x4 blanc là. Allez. En avant toutes. Vous êtes toutes les deux là? Parfait les filles. Let's go. Allez, Charlie's Angel come back. Je sais pas si j'ai fait une bonne affaire là. Ok. On arrive. Qu'est-ce qu'il y a là? Salopard. J'ai halluciné ou... Salut Jess, tu te débrouilles super bien, tu sais. Je croyais qu'il y avait un truc à récupérer. Ouais, mais oublie pas de penser à toi aussi, d'accord? Et ça veut dire que... 130 mètres, on est de plus en plus près. Moi c'est dans la prière. Moi c'est dans le visage. Le camp de vacances. Eh ben allez. Venez les filles. On va foutre le bordel. Je trouve un meilleur angle. Eh bien, tu vas avoir un bon angle là, ma grande. Comme si j'étais. On va régler ce problème ou quoi? Alors, déjà, le petit snipe là. Évite de te foutre au milieu quand même, ma grande. Allez, lui, c'est fait là déjà. Bien compris. Les détends! Trop facile. Pas d'alarme. Change de place. Hop là. Ils vont tous crever. Allez les filles.
pouvez le faire. Allez, on va y prendre un revers. Et c'est parti. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh lo lo, allez. Ça c'est fait. Putain de plante de merde. Bon, ils sont où le reste des ennemis là? Une map. On prend. Putain, ils sont où? Il en reste un quelque part là. Il se planque le chacal. Prenons de la hauteur. Il doit être bien caché ce trou du cul. Il est où? Pas possible. Le camp c'est jusque là-bas ou... Peut-être du monde ici, hein. Non. Hop là. Pour l'instant, ce camp n'est pas à nous. Donc, il y a bien quelqu'un quelque part. Alana, je suis allé là-bas quand j'étais gamin et c'était horrible. Les gens buvaient dès que les responsables avaient le dos tourné. Les gamins passaient le temps à se malmener. Franchement, il n'y a pas plus cruel que les gamins. Mais maintenant, je me suis jamais senti aussi bien accueilli de toute ma vie, aussi apprécié tel que je suis. C'est une communauté de jeunes qui s'appelle Eden's Gate. C'est un endroit unique, je t'assure. Viens me rejoindre, on campera ensemble comme autrefois. Écris-moi vite. Eh ben, Yann, hein, t'aurais su. Bon, c'est pas possible. Histoire de rigoler un peu quand même, hein. Excuse Gary, je sais pas si t'as remarqué, tout le monde est mort. Ben ça c'est fait. Pim leur plante de merde. Or les gens qui ont des missions comme ça, je leur parle pas parce qu'en général ça active les missions d'emblée. La voix, le font parce qu'ils l'ont décidé. Ah putain, elle me parle. De quel droit les arrêtes-tu? Ces pèlerins souhaitent le salut. Je t'interdis de les importuner. Mais je t'emmerde, connasse. Alors, seuls ceux qui ont la foi verront la voie qui mène à l'Éden. Rejoignez sa prêtresse à cet hôtel pour entendre la parole de Joseph. Ensemble, nous retournerons au jardin. Un autre sanctuaire, ok. On a reçu une bénédiction. Par Face. Bon, allez, notre mission, elle est à 2 km. On va sûrement se retrouver là-bas, par contre. T'as quelque chose à dire, toi ? Un des nôtres s'est fait tirer dessus près de la serre de Jessop. Il a réussi à revenir et il nous a dit qu'il faisait des expériences pour améliorer la grâce. Eh ben j'y jetterai un œil. Bon les filles, venez. On est pressé. Alors qui monte avec moi? On sait. La chasseuse, ça marche. Comme tu, veux. Tu nous rejoins là-bas, ma ronde. Et allez. Voilà, t'es content? Et ainsi il sauvé. Qu'est-ce qu'il y a? Ou qu'il y a un ennemi là? Là-bas, ok. Mais bon. Ils vont se le faire, ils vont se le faire. Et il va me buter, il va me buter. Connard. Ennemi en visuel. C'est moi où il y a des ennemis de partout là? Elle est un kilomètre et quelques là. Pfiou. Va falloir te faire son effort.
écouter, hein. Je veux voir ce qu'il y a dans cette église là. Parce que ça m'a l'air trop calme. Allez, allez, allez. C'est quoi, c'est un sanctuaire ici ou pas? On est déjà passé par là? Apparemment. Oui, on est déjà passé ici. Ok. Oh putain. Il est où ce connard? Qu'est-ce que t'as, toi? Sans déconner, qu'est-ce que tu foutais, là, toi? Hein? Tout seul, là. Et on a sauvé un civil? Eh ben, tant mieux. C'est toi, le civil, qu'on a sauvé, là? Merci. Personne va croire ce qui s'est passé. Bah, si, Gary. Et je peux pas te parler? Je suis heureux que les Cougars soient venus à votre secours. On a vraiment besoin de vous. Quelqu'un doit combattre la secte. Tout ça pour ça, ok. Il y a bien du monde dans le coin. Bouge pas, je vais te sauver, ma grande. Qu'est-ce que... Oh merde! Fais chier, connasse. Tu ne comprends pas ce qu'on essaie de bâtir? Ou bien ça t'est égal? Je te vois courir dans tous les sens et t'en prendre à des gens qui ne t'ont rien fait du tout. Ils sont en paix ici. Ils veulent y rester. Je sais bien que tu as des doutes. Mais cette histoire n'a qu'une fin possible. Et tu ne pourras rien y changer. Tes amis au dehors, la peur les contrôle. Ils ne comprennent pas. Mais lui, oui. Il te montrera. Salut, gamin. Allez. Allez, ça va aller. Je sais que tu es venu me ramener. C'est bon. Elle sait. Tout le monde sait. Je sais que tu penses bien faire. Tu penses que j'ai besoin d'être sauvé. C'est fou. Je n'ai pas envie de rentrer. Jamais. Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir au sens de ta vie? Je veux dire, au sens que tu lui as donné. Tu sais, on nous dit qu'on peut devenir tout ce qu'on veut, pas vrai? Chanteur populaire, sportif émérite, star de ciné. Le succès est à portée de main, quoi. Mais non. C'est des conneries. On a des vies sans aucun intérêt. On fait seulement ce qu'on nous demande de faire. Encore et encore. Tout le monde pense pouvoir faire des choix. Mais... c'est faux. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose par choix, hein? Juste pour toi. Oh non. On vit pas nos vies. Mais la leur. Et on croit tous être libres. Mais ça, c'est qu'un mensonge. Une illusion. Putain de merde.
J'en ai vraiment ras-le-bol de tout ça. Je te le dis, moi j'ai plus du tout envie d'obéir. Je refuse d'accepter sans broncher. Et je veux plus être celui qui ramasse les ordures. J'en peux plus. Parce que... si c'est ça la vie, alors à quoi bon ? Ici, j'ai enfin eu l'occasion de ressentir ce que je ne pensais jamais pouvoir connaître. Le bonheur. Parce qu'en fin de compte, c'est quand même bien ça le plus important dans la vie. Le bonheur. Mais fais-toi de la grâce. Tu dois retrouver le marchage. Oh putain, c'est quoi ce délire? Marshall, reviens! Putain, Marshall! Non, il faut pas que le Marshall franchisse ses portes. Marshall! Arrête-toi! Récupère le Marshall! Vite, qu'une connasse! Ne te laisse pas guider par ses faces! Tout va bien. Je vais lui parler. Restons sur nos gardes. On pourrait se faire attaquer n'importe quand. Ouais, on me l'a déjà dit. Grâce éternelle, on a sauvé le Marshall. Comment ça va ? On l'a sauvé, putain. Et on avait une mission, on va la faire. Les premiers. Hey, trophée obtenu, état de grâce. Ça là, c'est que des bagnoles. Moi je veux un hélico. L'hélico il est là. On va aller faire notre putain de mission comme prévu. C'est parti. Et on se retrouve là-bas. Il y a pas mal de gens qui se plaignent de manquer de munitions. Mais merde. Fabriquer leur flèche. Faut être prudent si on tombe sur un barrage des cinglés. Bon alors les gens, il y a un petit changement de programme en fait. Parce que la mission que je voulais faire, elle est sur le territoire de Jacob. Et moi je veux faire chier Face. Et pour faire chez Face, et ben on va aller faire la mission qui est par là, qui était pour le Toubib. On doit essayer un appât, je crois, un truc comme ça. Là, je vois qu'il y a un sanctuaire, on va le défoncer. Bon, après, j'ai pas d'armes. Hop, 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 j'ai glissé là. Je vais glisser, je te dis. Voilà. Mais non, qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Voilà, allez, ça c'est fait. On y retourne, les filles. Ça fait oh, c'était sur notre route, ça prenait 2 secondes.
on est parti. Et allez. Bon, apparemment, faut qu'on aille là. Officier, c'est le doc. Je voulais juste vous rappeler de ne pas déranger les anges. Si vous les contrariez, vous ne pourrez pas tester l'appât expérimental. Ils l'ignoreront et vous aurez une horde enragée sur le dos. Bon, du coup, faut faire quoi ? On s'est fait repérer. Allez, on doit tuer que les membres de la secte, c'est ça ? Eh, ma grande. Merci beaucoup. Alors, que les membres de la secte, ils ont dit. Il faudrait déjà qu'on les trouve. Et où lui ? Vas-y, montre-toi. Bien compris. Alors, est-ce qu'on a tué tout le monde ? Allez, remets-toi de ça, mon gars. Désolé, gars. Allez, mais meurs, je te dis. Mais tu vas mourir. Merci. Merci pour le coup de main parce que les coups de pied ça marchait pas. J'ai besoin d'un nouveau briquet, à toi ? Alors. Jess, t'as jamais songé à rejoindre l'armée ? Moi, dans l'armée ? Non, j'aime pas qu'on commande. Atteignez le toit de l'abri. Venez là, les filles. Une seconde, je me dépêche, pas de problème. Observez les essais sur le terrain. Je suis quasiment sûr d'avoir ajouté l'adrénochrome à l'appât. Seulement voilà, j'en ai une fiole remplie sous les yeux. Du coup, j'ai un gros doute. J'ignore à quel point ça affectera le résultat. Tant que vous n'avez pas placé l'appât, on peut réfléchir à un nouveau plan. Laissez-moi une petite seconde. Bah c'est trop tard, mon gars. Qu'on leur met. Prochain ennemi, il est où ? Voilà. J'ai compris. J'ai trouvé l'erreur dans la formule. Il nous faut davantage de phéromones issus de sujets sous l'effet de la grâce. Je peux en extraire de la peau des animaux qui ont été exposés. Récupérez ce que vous pouvez et ramenez-moi les nouveaux échantillons. Heureusement que je m'en suis rendu compte à temps. Je suis sûr à 75% que ça marchera. Ok. Rassembler 3 peaux de grizzly intactes, récupérer 2 peaux de moufette intactes. Et comment je me fais de la moufette intacte, mec ? À la pelle ? Allez, allez. Merde, elle est morte. Comment t'es morte, toi ? Alors, des peaux de moufette, hein. Ok, peaux de moufette, 1/2. Qu'est-ce que tu fais, la connasse ? Tu commences à me gaver, toi. Alors. Bon, maintenant il nous faut des peaux de grizzly. Où est-ce qu'on va trouver du grizzly, putain ? Change de position. Je peux
Bon alors, battez la carte, hein. Puis récupérez ça aussi, tiens. Le grizzly, c'est ici. Ok. Moi alors, j'ai un arc pour me faire du grizzly, faut l'éviter autrement, et les grizzlies c'est là, les attaquer. Allez, bonne idée. Un grizzly sur trois, ça c'est bon. Elle avait quelque chose à dire, elle là-haut là. Oui, ça va encore être une mission. Évitez à tout prix de finir dans les cages de Jacob. Change de position. Ouais, on va essayer, on va essayer. Et où est-ce qu'il y a encore du grizzly là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette lumière? Apparemment, faut qu'on explose ça. Peut-être pas comme ça. Bah alors? Tout ça pour ça, trophée obtenu, fauteur de trouble. Ils s'en servent pour attirer les loups et leur mettre la main dessus. Essayez de vous occuper de ceux qui restent. Merde, merde. Viens par là, mec. Merci pour le coup de main. De rien. On a autre chose à foutre, on chasse du grizzly, nous. Ces petits loups là, c'est de la merde. Allez, allez. Il est où l'autre grizzly de mes couilles? Ah, je veux grimper par là. C'est quoi cet endroit? On est paré. Bon. Alors, par là-bas. C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a trois personnes comme prises en otage et personne pour les garder? On sait pas, ben tant pis. Allez. On dirait un peloton d'exécution, sans déconner. Allez, butez tout le monde, putain. Mais qu'est-ce que... Ok, tu es des civils innocents, qu'est-ce qui me chie, lui? Pourquoi j'ai buté les civils en tirant? Oh non.
Passe devant. Je vous suis. Une maison là-bas. Ah non, c'est ce qu'on vient de fouiller, ça. J'ai mal passé. Je bouge. Allez, le grizzly, le grizzly. On va se le faire, on va y arriver, on va la faire, cette mission de mes couilles. Et merde. Tiens, qu'est-ce que t'as voulu faire là? T'as voulu mettre un coup, connasse? Eh ben voilà, c'est fait. Et où ton ours, putain? Allez, sans abîmer la peau. Une chasseuse juste là, ok. Tu permets, je te pique ton sac. Allez, de l'ours. On veut un ours. Oui, putain, il est là. Putain, on se l'est fait. Eh ben voilà. On a les trois pots. Maintenant, on doit retourner voir le docteur Charles Lisley. Eh ben allez, déplacement rapide, let's go. Hop, tu me fais peur, eh. Bon, Toubib. C'est injuste tout ça. Je devrais même pas être là. Bon, tu racontes ? J'ai bien fait d'appeler. Ça aurait pu mal tourner, pas vrai ? T'as toujours été le plus... Je suis désolé. J'aurais dû mieux vérifier avant de vous envoyer en mission. C'est ma faute. Mais vous avez réussi. J'ai assez d'échantillons de grâce infusés. C'est ce qu'il nous fallait. J'ai eu le temps d'affiner la formule. Et cette fois, c'est du béton. Dès que j'aurai fini le processus, j'aurai un nouveau paquet pour vous. Je vous serai éternellement reconnaissant pour votre aide, officier. Le shérif m'a parlé de vos talents, mais je pensais pas que vous étiez si doué. Et ben voilà, on aura fait ce mission. Bon, c'était pas celle qui était prévue à la base, mais je voulais réduire l'influence de Face, hein. Jacob, ce sera le dernier. Le dernier qu'on se fera. La prochaine, là, sur ma liste, c'est Face, qui a un nom de cul. Voili, voilou. Donc, j'espère que ce let's play vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous si c'est pas le cas. Vous êtes les bienvenus. C'était Loul 5100. Je vous dis... ciao, ciao.